Bonjour, merci de me donner l'occasion ce jour de pouvoir m'exprimer. Et alors, nous voulons participer à ce tournoi sportif parce que nous aimons tout d'abord le sport et en particulier le football. Et c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer des confrères qui sont passionnés par le même sport. Vous savez tous, comme moi, que le monde entier traverse une très grande crise de pandémie assez avancée. Et cela n'a pas permis à beaucoup de personnes de pouvoir programmer à long terme. Et sur ce, je remercie le bureau de la FIVE, comme son président Fred Sioué, d'avoir mis sur pied cette innovation qui nous permet d'organiser le tournoi cette année. Et la question à savoir si ce tournoi remplacera automatiquement ou bien sera pareil à ceux des années antérieures, ma réponse est très simple. Je ne pourrais que dire chaque tournoi est unique à son genre. Laissons-nous surprendre. Vous savez tous, le Covid n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous. Cette situation nous a mis dans des états où, sur le plan personnel comme sur le plan d'équipe, ça n'a pas été évident de pouvoir s'entraîner. Ce qui fait du fait, les entraînements ont commencé déjà il y a 3 semaines environ. Et ce que nous travaillons en ce moment, c'est plus la remise en condition, qui est très importante pour éviter des déchirures ou des blessures pendant le tournoi. Et nous transmettons l'esprit d'équipe, l'esprit de fair play à nos joueurs. Et c'est ça le plus important. Merci. Les mercenaires, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que j'exhorte toutes les équipes à faire comme la nôtre, de respecter les règles que nous nous sommes fixées et que le tournoi s'organise dans les meilleures conditions et que tout le monde soit fier de participer à ce tournoi. Éviter les mercenaires, c'est penser à l'esprit d'équipe et penser au fair play. Nous venons tous s'amuser. Avec les mercenaires, on perd le temps, car quand ils se font découvrir, ce sont des discussions qui peuvent durer des heures. Et ça, c'est pas pour cela qu'on voyage. C'est pour cela que de mon côté, les mercenaires, c'est non. Respectons les règles que nous sommes fixées et nous aurons un bon tournoi. Merci. Notre club est composé des anciens footballeurs, des personnes passionnées pour le football et des personnes qui ont eu à pratiquer le football par le passé, mais n'ont pas pu entrer dans des grands clubs. Ce que je dirais aux équipes qui vont effectuer le déplacement pour ce tournoi, c'est juste qu'ils viennent avec l'esprit de fair play, qu'ils viennent avec l'esprit d'équipe, que chacun de nous essaye de respecter les règles que nous nous sommes fixées. Et là, nous aurons un très bon tournoi et on s'amusera très bien. Et je souhaite bonne chance à toutes les équipes et bon voyage à ceux qui feront le déplacement. Et en ce qui concerne nos spectateurs, ceux qui nous suivront, les amis de la FIF, de la FAB qui nous suivront de loin ou de près, je les exhorte à venir apprécier l'innovation, la nouvelle méthode d'organisation du tournoi de cette année et d'apprécier et d'avoir l'opportunité de pouvoir le suivre de façon live, le vivre en direct comme si on était présent. Et au bureau de la FIVE, je leur dirai merci encore d'avoir pensé à cette initiative
parce que vu le Covid que nous traversons jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas permis que nous organisions le tournoi de façon habituelle, cette nouvelle innovation nous permettra d'apprécier la nouvelle méthode et de pouvoir se retrouver ensemble. Je remercie encore le président Fred Siwe d'avoir pensé avec son bureau dans cette direction et je vous encourage pour vos idées. Et merci, bisous et